Et là, petite famille? Non, on est sœurs. Vous êtes sœurs? Oh, tu es toute seule, Tobuchonne. Oh, bah, t'es célibataire? Bon, bah alors je te fais pas chier plus que ça, alors. Je me suis dit, je vais peut-être te faire une passe décisive, tu vois? Hein? Ouh là 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 là, j'adore ça. Allume-moi la lumière, s'il te plaît, mon Justin. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe, là? Alors, oula, ouais, alors, qui? Salut, c'est quoi ton prénom? Oula. Eglantine. Ah. Je suis désolé, je peux rien faire pour toi, Eglantine. Passe à la préfecture, change de prénom, après on fera quelque chose. Ok, Eglantine. Qu'est-ce qu'il y a, t'es célibataire, Bichette? Bah ouais. Bah ouais, hein. Alors, Eglantine, t'as quel âge, ma Eglantine? 25 ans. 25 ans. Et tu recherches depuis combien de temps, ma Eglantine? 25 ans. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? 25 ans, t'es un bâtard, toi. C'est un pote à toi, Eglantine? Ah, pas du tout. Bravo, mon pote. T'es célibataire, toi, mon pote? Ah bah je suis déjà pris moi, ouais. Bon ok, Eglantine, 25 ans, tu recherches quoi, un mec, une meuf? Un mec. Tu recherches un mec dans ta tranche dans ta tranche d'âge? Ouais. Ok, bon, c'est quoi la fourchette? 22 minimum. 40, 42, pas de gosse. Pas plus de 30. Qu'est-ce qu'il a? On nous en a parlé avant, c'est pour ça. Ah bon? Est-ce que moi toute la salle est au courant que... Avoir un mec musclé, elle a pas bien resté, elle nous a mais vous êtes qui, vous? Attends, tu ne connais pas cette personne qui est en train de parler, on est d'accord. Comment? C'est pas vrai. Excuse-moi, et la chérie à côté, elle en dit quoi? Parce que... On parle de toi. On parle de toi, oui. Vous êtes exceptionnel. Alors vas-y mon pote, alors vends les infos que t'as eues. Alors attends, 25 ans Bah c'est Eglantine, elle a cherché à peu près dans les 22 ans, 22 cm aussi. Comme mais vous êtes des grands malades. 22 cm aussi, il a dit. Ok, t'as vraiment dit ça Eglantine? C'est lui qui l'a dit. Ah t'es très drôle, et on peut l'applaudir, il est drôle, bravo mon pote. Ok, t'as d'autres infos? Non, c'est... On nous en a pas dit. Info, oui, mais info. Info, oui, merci. Pas d'enfant. Comment? Pas d'enfant. Mais t'es qui, toi? Ouais. Tu la connais, elle aussi? On a... Mais excuse-moi, levez la main ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, là. Ah oui, mais il y a 10 personnes qui l'ont... Excuse-moi, mais tu voulais un mégaphone pour... Bon. Y a Tinder, hein, qui existe. Hein. Bah merci. Y a Tati qui est bourrée, là. Ouais, y a Tinder. Et elle fait comme tout le monde, elle swipe. Y'a pas qu'elle qui a la chatte en feu, là. Je sais, ma mère, elle vient sur tous les spectacles, c'est un enfer. C'est n'importe quoi. Et je vois des gens qui n'ont rien à faire là, ils font mais c'est ça tout le spectacle, en fait. Fallait nous dire, hein. Bon. On traite le dossier Eglantine et après on lance le spectacle. On n'a pas lancé le spectacle encore, hein, c'est n'importe quoi. Eglantine, de 22 à combien? 30. 30. Sans enfants. Oui, merci. Hein? Sans enfants. Et moi je suis stérile, d'accord? Des mecs entre 22 et 30 ans ce soir qui chercheraient une relation. Ah merci, il y a une copine là-bas qui picave. Salut mon pote. Moi j'ai pas 22 cm. Bah non. Et on peut l'applaudir, il est génial. Bravo. Alors t'as pas 22 cm mais t'as pas 22 ans non plus mon pote. Non j'ai 26. Hors taxe. T'as quel âge? T'as vraiment 26? Ouais, les cheveux, c'était... Bah oui, ce que j'allais dire, faut aller en Turquie, là, vraiment, il faut... Ok, on aime les cheveux, Eglantine? Bah ouais. Bah ouais, désolé. C'est comme au Kies. Éliminé. C'est quoi ton type d'homme, Eglantine? Grand, musclé...
fonctionnaire si possible. D'accord. Des grands musclés de célibataires entre 22 et 30, on a ce soir. Eh ben, Églantine, l'histoire se répète. Voilà. On peut applaudir Églantine. Allez hop.